Bonjour, bonjour, bonjour. Depuis qu'on est entré dans 2023, je n'ai pas fait de direct. Donc bonjour 2023. Je sais que vous allez beaucoup dire bonne année, bonne année, bonne année. Je pense que le meilleur bonne année que je vous donne, c'est de vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Ce que vous avez à faire. J'aime pas trop les vœux de bonne année. Joyeux Noël encore, c'est pire. Ouais, je sais que vous allez passer le temps. Bonne année, bonne année. À part bonne année, tu me donnes quoi d'autre? Je vais utiliser cette vidéo pour parler des. J'ai deux sujets que je vais aborder qui ne sont jamais. Je n'en parle pas très, très souvent. Ok. Beaucoup d'entre nous, chaque année, on fait de nouveaux vœux. On prend de nouvelles résolutions. Et je me suis rendu compte que ça devient une sorte de routine. Et plus les années passent, plus je me rends compte que je ne connais même pas en fait ce qu'il faut pour faire changer mon année. Je rentre seulement dans la routine de tout le monde. On dit bonne année, je dis bonne année. À la fin de l'année, mon année est comme c'était. Rien n'a changé. Wilfried, bonjour, bonjour, Elf, Germaine, bonjour, Anne-Christelle, bonjour, Muriel, bonjour, Élie, bonjour, Justine, bonjour. Remarquez juste que depuis que vous êtes jeune, chaque année, on vous dit bonne année. Mais personne ne vous a jamais fait asseoir pour vous donner une idée. En anglais, on dit canvas, you know, le map. La marche à suivre pour que ton année soit différente. Et chaque année, tu sens comme si tu deviens de plus en plus impuissant. Ouais, tu commences avec l'énergie, l'euphorie. À minuit, tu vois tout le monde faire, ouais, bonne année, on lance les feux d'artifice, on fait les pétards. Peu importe le pays où vous vous trouvez. On fait ça. Mais après tous les pétards, personne ne s'assoit avec toi. Ce n'est pas sur une chaîne de télé que tu vas trouver. Ce n'est pas sur Facebook que tu vas trouver. Tu ne trouves nulle part quelqu'un qui va te faire asseoir et te dire, voilà, regarde. Tu vois l'année, c'est là, non? Pour que ce soit différent de 2022, 2021, 2020, 2019, 2000. Vous savez tous. Voici la marche à suivre. Donc tu te retrouves. Voilà le deuxième jour. En fait, si tu regardes bien, tu n'as rien changé dans tes habitudes. Seulement le jour où tu as écrit, tu vois, quand tu vas aller signer un formulaire quelque part, on va mettre date du jour. Au lieu de 22, tu as écrit 23. Parce qu'on nous vend beaucoup de rêves. Hein. On nous vend beaucoup de rêves. On te vend le rêve, on te vend l'illusion, on te vend. En fait, tu dépenses beaucoup ton argent. Tu as de grands espoirs dans cette année-là. Oui, j'espère que 2023 sera comme ça, comme ça. Mars, tu vois, rien ne se passe. Avril, rien ne se passe. Mai, novembre. Après, tu dis, ok, on recommence encore. Einstein a dit que c'est un fou. Qui passe son temps à faire les mêmes choses chaque jour et qui espère que ça va avoir des résultats différents. C'est comme si tu prenais la recette du gâteau, tu prends tous les ingrédients, tu mets, tu tournes, tu goûtes, tu espères que c'est le couscous que tu vas sortir. C'est le gâteau qui va sortir. Chaque année que tu vas faire la même recette, suivant le même processus, c'est la même chose qui va en ressortir. Je compte vous donner, vous rappeler ce dont vous avez besoin. Très rarement, on va vous en parler. Très rarement, on va vous sermonner là-dessus ou encore vous rappeler l'importance.
La discipline. Beaucoup de personnes mariées comptent sur leur partenaire pour les discipliner. Tu vas voir un homme, il va dire, j'aime la femme si, parce qu'elle va prier pour moi. Parce qu'elle va se lever tous les jours à 3 heures, elle va faire ça pour moi. Oui, j'aime l'homme si, parce qu'il a l'argent. Et il va toujours s'occuper de moi. Sans le savoir, on dépend beaucoup des gens. Vous dépendez beaucoup de votre environnement. Et tu ne vas pas trouver quelqu'un là dehors. Je le dis encore, la télé que vous regardez, TikTok, sur lequel vous êtes tous les jours. Tu es sur TikTok quand tu t'amuses là, comme ça. Tu ne vas rien trouver là-bas qui va te faire comprendre que c'est la discipline qui va t'aider. La discipline, c'est le fait de se fixer un objectif ou des objectifs. De regarder ce qui m'empêchera d'arriver là-bas. De décider de ne pas le faire. Ou de continuellement couper. Supposons quelqu'un qui veut perdre du poids. Ton premier pas, c'est d'abord de décider de perdre du poids. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas maigrir. Moi, je suis quelqu'un d'extrême. Quand je suis dans quelque chose, je suis dedans à fond. Quand je ne suis pas dedans, je ne fais pas semblant. Quand je partais même souvent à l'église, les périodes où je sais que je suis dans la fornication, fort, fort là, je ne passe pas moi à l'église. Maintenant, si tu ne me voyais pas à l'église, il y a deux fois par semaine. Sache que j'ai mis ma maison en ordre. Et il n'y a aucune zone qui est plus pire que la zone du milieu. C'est pour ça que Jésus a dit que si tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, je vais te recracher. C'est pour ça que la note passable, c'est quoi? Passable, c'est quoi? Passable, ça veut dire quoi? Enfin, 9, on dit, oh waouh, mon fils, ça va, tu as quand même essayé. 10, ouais, ça va. 11, ça va, mon fils, tu as quand même essayé. C'est parce que vous ne créez pas dans vos enfants ce sens d'urgence dès le bas âge. L'enfant est médiocre dans quelque chose. Fais-le asseoir, tu dis que ça, c'est pas bien. Que 8, là, c'est pas bon. 11, ce n'est pas bon. 13, ce n'est pas bon. Tout ce qui est passable sur ça, ça ne va pas. Et je ne veux pas vous mentir, vos enfants n'atteindront pas une moyenne qu'ils n'ont pas vue. Tu ne peux pas avoir un enfant qui a 17 de moyenne et il te dit au départ de l'année qu'il voulait avoir 14. Je veux que vous voyez d'où ça commence. Ça commence très tôt. Voilà vos enfants à la maison, non? Vous êtes à la maison avec eux. Tu vois, l'enfant, il a 10 ans, 12 ans. Il a 10 de moyenne, 9 de moyenne. Il est confortable pendant les vacances. Le voilà qui a dormi tous les congés. Tu l'as regardé, non? Il va repartir à l'école. Il va continuer dans le même rythme. Il va avoir la même moyenne. Fin d'année, tu prends son relevé de notes du bac. Tu vois 10,00. Voilà l'enfant que tu prends pour lancer dans la société. Je veux que vous voyez le mental qu'on nous a déjà donné. C'est depuis longtemps. Bonjour Vicky, bonjour Marcel, bonjour Larissa, bonjour. Larissa, je ne suis pas là pour regarder les rêves aujourd'hui. Tu as compris, non? Vous venez souvent parler de quelque chose, vous venez parler d'autre chose. Je ne sortirai pas de mon sujet. Je vous connais, vous êtes spécialiste pour ça. L'enfant a 5 ans, il s'habitue à être passable. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je travaille beaucoup avec les livres que j'avais écrits pour les enfants. Comment déterminer le potentiel de son enfant. Dans le livre là, je mets tellement l'accent. Ce sont des exercices que j'ai mis dans le livre. Donc même si tu n'as pas le temps pour t'occuper de ton enfant à la maison, donne-lui le livre. Il saura comment. Si l'enfant a 9 ans et plus, il peut travailler dedans. Et là-dedans, j'explique à l'enfant que ce que ta mère a fait dans la vie ou ce qu'elle fait,
Ça n'a pas d'importance. Tu peux dépasser ta mère. Tu peux dépasser ton père. Il faut d'abord que tu trouves un objectif. Parce qu'on ne parle pas de discipline si on ne parle pas d'objectif. Et beaucoup de nos enfants, déjà même nous, alors c'est évidemment pour nous là, c'est grave. Ton objectif, c'était seulement de faire une grande fête à la maison hier. Pour que les gens viennent manger, boivent pour la bonne année. C'est tout, hein. Ils s'asseyent, tu sors la bière au frigo, tu leur donnes, ils boivent. Ils mangent le poulet, ils mangent le cou. Après, ils mangent les pattes du poulet. Ils finissent, ils sucent les os. Vous regardez la télé, vous commandez. Les ha, 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 ha. Après, ils rentrent chez eux. De moyenne, c'est médiocre, mon fils. Il faut que ta mère te dise. Tu ne vas pas arriver au top de la société si tu ne vas pas changer quelque chose dans ton pays avec 13 de moyenne. Vous ne parlez pas à vos enfants. L'enfant a 13, il croit qu'il a trop fait. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à 20 dans l'échelle de la moyenne? Pourquoi il y a 20 de moyenne? Pourquoi il y a 15? Pourquoi il y a 19? Maintenant, vous devez expliquer à vos enfants et pour vous-même les adultes. Le truc, c'est que la raison pour laquelle vous n'aimez pas placer des objectifs, c'est parce que vous savez que si je donne un objectif à l'enfant et je mets ma part, je serai obligé de changer. Je serai obligé de changer. Et parfois, vous êtes trop confortable là où vous êtes. Je suis dans les 120 kilos depuis 15 ans. Depuis que j'ai accouché mes enfants, ils ont grandi, ils connaissent que je suis comme ça. Et ta première fille, elle est en surpoids. Tu la regardes. Tu peux faire asseoir l'enfant, tu dis à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va diminuer ce qu'on mange dans cette maison. On va sortir, on va partir faire le sport à 6 heures avant que tu partes à l'école. Parce que notre objectif, c'est de perdre du poids. Moi, je vais arriver à tel nombre de kilos, toi... Choisis ta part, l'enfant choisit. Tu vas arriver à tel nombre de kilos. Voilà les cadeaux que vous devez passer à vos enfants. Est-ce que vous imaginez que beaucoup d'enfants africains grandissent sans savoir ce que c'est que la discipline? Sans savoir ce que c'est que de fixer un objectif? Sans savoir ce que c'est que d'avoir un objectif dans sa journée? Ils sont debout depuis le matin, ils regardent la télé, non? Tous les 11 ans, vos enfants ont fait quoi? Ils ont regardé la télé, non? Écoutez, les parents, si. Vous attendez que quelqu'un vienne changer votre pays, non? Voilà. Assez, je vais te bloquer de mon direct, moi, vraiment. On ne donne jamais 20. Tu parles comme ça, là, devant l'enfant, pour que l'enfant pense que quoi? Pourquoi il y a 20 sur le tableau si quelqu'un n'a jamais 20? Vous encouragez la médiocrité dans les enfants. Quand le corona a commencé, je crois deux ou trois mois avant ça, j'ai pris ma fille. Elle vivait chez son père. Il est récupéré. Chez lui, elle avait 13 de moyenne, maximum 14. Et à émergence, là où elle était, le dernier de la classe avait 13 ou 12 quelque chose. Donc là-bas, à émergence, on ne jouait pas parce qu'il mettait quand même beaucoup de pression sur les enfants. Je la récupère. La mère a beaucoup de répétitions. Ça ne donne pas. Là-bas, tu pouvais payer peut-être, je ne sais pas combien, 15 000 le mois. L'enfant restait 2 à 3 fois par semaine. En plus, c'est 1 heure en extra. Je ne sais pas, un truc comme ça. Là. Comme ça, les professeurs les aidaient. Le corona frappe en mars. Et quand j'ai pris l'enfant, je lui disais toujours que tu peux faire plus que ça. 13 de moyenne, c'est quoi? Tu as au coup moins 2, tu as 13 de moyenne. Au coup moins 2. Donc, je l'ai prise. On s'est fixé deux objectifs. Numéro 1, qu'elle perde du poids. Numéro 2, que sa moyenne monte. Je crois que l'objectif, c'était peut-être 17 de moyenne. Je crois que c'est 17 moyennes. Nous voilà.
Corona commence en mars. Elle reste à la maison avec moi. Quand elle commence à la maison, moi j'ai toujours un rythme de travail assez fort. Genre, quand je suis en forme, à 4h30, je suis debout. 4h30, je suis debout. Souvent, même à 3h, je suis encore debout. On sortait le matin, tous les jours, 5h30, on partait, on courait au parcours Vita. À 5h30, parce que le parcours Vita ouvrait à 6h00. On arrivait là-bas à 5h40. 30, entre 30 et 40. Parce qu'on vivait au Carrefour Maçon. On court, on fait quelques tours dehors, en attendant qu'on ouvre. Et quand on ouvre, on entre. Généralement, elle faisait un tour de tout le parcours, après avoir couru dehors. Et quand elle faisait ça, j'étais derrière elle. À un moment, elle est fatiguée, elle s'agenouille, elle pleure. Les gens passent, on me regarde. Je dis, c'est quelle mère qui est méchante comme ça. Hein? Un moment, je m'appelle une ou deux fois. Elle s'est arrêtée, elle a pleuré, elle s'agenouille, elle dit, pardon maman, je suis fatiguée. Je dis que c'est toi qui as dit que tu voulais faire, tu voulais être maigrie, non. Lève-toi. Elle fait comme ça, prend le bâton, je suis derrière elle. Elle pleure. Je vois les visages des gens, comment ils passent, ils me regardent. Je dis que ma chérie, ne regarde pas les gens, hein. Ok, quand si quelqu'un te voyait dans la rue, tu n'étais pas en train de courir. Il va te voir, il va dire, l'enfant, la grosse là. On va te décrire, on va dire que tu es grosse. C'est la réalité. Maintenant, si tu veux maigrir, et je rappelle, à l'époque, elle avait 10 ans. Oh non, l'enfant est trop jeune. Il faut maintenant, laisse-la comme ça, non, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la, elle enjoy d'abord son enfance. Laisse-la, elle mange. Je dis que je ne veux pas que ma fille passe toute son adolescence. On a décrit le seul mot qu'on a pour elle, la grosse. Et que le meilleur cadeau qu'elle peut te donner, c'est de t'aider à perdre du poids. Jusqu'à ce que le jour toi-même tu vas te lever, tu vas dire que je ne veux plus. Là, ce sera ta décision. Mettez toujours à vos enfants que tout ce que tu as dans ta vie, c'est ta décision. Maintenant, si tu veux changer, tu ne veux plus ça. Lève-toi, tu mets un plan. Et ce plan, tu vas le suivre. On a fixé des objectifs. On a fait une conférence dans la nuit du 31 au 1er. On a fait une conférence, on est en ligne. Tout ce que vous avez fixé le jour-là, hein, sachez que vous allez devoir travailler dessus. On a fait ça. Au moins, on a quitté de mars, avril, mai. En juin, elle retourne à l'école. C'est là qu'on a ouvert les cours. Et elle faisait quoi à distance? Donc, entre-temps, pendant cette période où elle était à la maison, elle a appris à faire la photographie. Elle a fait des cours. Elle a fait beaucoup de cours en ligne. Elle a appris le langage des sourds-muets. En ligne, je suis sur un site là, j'ai payé. Et elle avait accès. Donc, elle va apprendre le langage des sourds-muets. Elle a appris à éditer des vidéos pour créer sa propre chaîne YouTube. Donc, elle fréquentait en ligne. Elle créait ses vidéos elle-même. Elle faisait le sport. Elle-même, elle préparait. À 10 ans, elle préparait à la maison. En juin, ma fille repart à l'école. En mars ou en février, en décembre, elle a eu 13 et quelques de moyenne. Mars, quand ils ont arrêté avec le corona, là, ils n'avaient pas, je crois qu'ils n'ont pas eu d'examen, un truc comme ça. Là. Donc, elle est retournée en juin pour composer. Juin, elle a eu 18 de moyenne. Écoutez bien. Elle a eu 18 de moyenne. Quand elle sort les 18 de moyenne, elle part composer le CEP. Elle passe. Tous les concours qu'elle a fait l'année-là, elle a passé. Tous les plus grands. Parce que quand ton enfant a émergence, il donne tes enfants accès au grand lycée pour faire les concours. Maintenant, après, c'est toi qui vas choisir là où tu veux mettre ton enfant. Pourquoi le lycée, Dieu, ça l'avait fait la passer. Avec une très grande moyenne, elle avait 18 quelque chose. J'ai fait asseoir l'enfant là. Et par-dessus tout, elle a perdu du poids. Je me rappelle un jour quand elle se pesait. Elle se pesait, regarde son poids. Après, elle va à côté du miroir. Parce que dans le salon, j'avais mis sur tout un mur, j'avais mis le miroir. Ceux qui me suivaient à l'époque, là, si vous vous rappelez, en 2020, quand je faisais souvent mes directs, j'avais le miroir sur tout un côté de mon mur. Elle a dit, hé, maman, j'ai perdu du poids. Hein. J'ai dit, waouh, c'est bien, tu es contente. Elle dit, oui, oui, oui. Je lui rappelle les fois où elle courait, ça faisait mal. Les nuits où elle restait à l'étudier jusqu'à 2 heures.
Écoutez, vos enfants ont trop de temps. Vos enfants ont trop de potentiel. Ton enfant que tu as à la maison là, ils sont trop libres. Ils ont trop d'intelligence. Car elle est sympa que ma fille me suit. Elle suit le bâton. Je blague pas avec ça. Vous allez vous blaguer avec vos enfants. Dès 2 ans, ma fille savait qu'elle peut la fouetter. On était en bain. Pas vos enfants, les trucs que tu. C'est à 10 ans que tu commences à fouetter l'enfant là. Depuis qu'elle avait 2 ans, elle connaissait déjà que ça ne va pas, ma mère me fouette. Oui. Je lui ai tout dit que c'est ton meilleur cadeau qu'elle peut te donner là-bas. J'ai toujours expliqué que si tu fais ça, cause, je fais ça. Effet, c'est sur moi. Parce que quand tu ne prends pas conscience que cet acte que je pose, demain ça va me causer cette chute, tu ne pourras pas te discipliner. Et c'est ce qui vous manque. Oui, je veux lancer mon business. Oui, je veux. Après, j'ai encore que, mais je n'ai pas l'argent. Mais je n'ai personne qui croit en moi. Je vais perdre du poids. Mais c'est moi qui ne peux pas à la maison. Je ne peux pas me discipliner. Je ne peux pas faire le régime pendant que j'ai les enfants à la maison. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Et pour ceux qui ont même les enfants, c'est une meilleure opportunité. Parce que ton enfant te connaît. La meilleure opportunité pour te discipliner, c'est quand tu as les enfants avec toi. Prends ton engagement devant tes enfants. Et je vous dis que alors que c'est dur, je vous connais. Moi-même, je suis maman, je connais. C'est facile de dire à l'enfant que fais ça. L'enfant se lève pendant qu'il est en train de faire, tu es en train de manger. Tu es couché devant la télé. Tu mets le plat sur ton ventre, tu es en train de manger. C'est facile. Mais de dire à l'enfant que pendant que tu fais ta part, moi aussi je fais ma part. Parfois, ce que je faisais, pendant qu'elle fait ses devoirs, moi aussi, je suis en train de faire ma part. Je suis en train de peut-être d'écrire un programme, je suis peut-être en train de lire un livre, mais je m'assure qu'elle comprenne que quand elle est en train de bosser pour ses choses à elle, moi-même, je bosse pour ma part à moi. Et c'est ce qui vous dérange. Vous ne voulez pas vous discipliner. La discipline, c'est comme de l'air frais dans le désert. La discipline te donne l'énergie pour te lever le matin pour aller. Ça te donne l'envie de vivre. Alors, vous m'écoutez, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont allés. Vous êtes partis courir déjà. Tu es allé faire ton sport jusqu'à ce que tu es revenu. Comment tu te sens? Quelle est l'énergie qui est en toi? Et je le dis encore, hein, j'ai eu des époques où je n'avais pas de stade autour de moi. J'ai eu des époques où je n'avais pas. Je restais dans ma chambre. Je prenais YouTube. J'allume à 5h30. Je me mets, je commence à faire les exercices que ça monte. Non, je n'ai personne pour m'amener courir. Non, je n'ai pas les chaussures de sport. Il y a les exercices physiques qu'on fait sans chaussures. Va sur YouTube, tu tapes, non. Tu vas voir. Tu vois. Pamela, pardon, Pamela, écrit bien que les gens voient. Je l'ai écrit. Voilà les gens qui disent qu'on ne donne pas. Voilà l'enfant qui a 19,70 de moyenne. Son fils, 16,78 de moyenne. Vous ne poussez pas vos enfants. Parce que vous-même, vous ne vous poussez pas. Un enfant qui a 19, il réagit différemment à la maison. Quand tu arrives, tu observes. Assois-toi, va visite les gens, non. Assois-toi, tu observes ces enfants. Si tes enfants sont dans les 10 de moyenne là, généralement l'enfant là, quand il se lève le matin pour aller faire ses choses à la maison, nettoyer la maison, le sol ou les assiettes, son corps pèse comme tout. Son corps pèse comme tout. Et vous encouragez. L'enfant doit arriver à l'école à 8h. Tu arrives à la maison à 6h30, 7h. L'enfant est encore couché. C'est comme ça qu'ils sont. Et tu vas voir le genre d'enfant quand l'enfant te ramène. Moi, j'ai un de mes cousins. Celui-là, alors, je ne sais pas si c'est un extraterrestre. Première année médecine, il te tape 18 de moyenne. Oh. Mon cousin là, c'est un extraterrestre. Sa mère ne blague pas avec lui. Première année médecine, c'était l'année passée ou surpassée.
Il te tape 18 de moyenne. Il y a même certaines matières qu'il a eu 20. 20, Erika, première année médecine. Donc lui là, alors, quand on est dans la famille, on parle, lui là, il est dans un monde, il est sur une autre planète. Il est sur une autre planète. Chaque fois que tu pars chez eux, il est en train d'étudier. Et il est sérieux. Je me rappelle quand il venait d'arriver, parce qu'il est parti étudier à l'étranger. Donc quand il est allé à l'étranger, la première année, sa mère me disait que, maman, il m'a écrit, il me dit qu'il y a les filles là-bas qui le draguent. Il dit, maman, il y a une fille là, elle est en troisième année ou en quatrième année. Elle ne fait que venir me voir tous les jours. Elle me drague. Moi, je dis que je ne veux pas, moi. Hein. L'enfant là est comme ça. Et à la maison, tout ce qu'il avait à faire à la maison, il faisait. Dès qu'il finit de travailler, il est sur le tableau. Voilà un objet, un enfant que tu ne peux pas dérouter de ses objectifs. Voilà un enfant que tu ne peux pas détourner de ses objectifs. Je vous ai lu des passages d'autres jours. Que ne te détourne ni à gauche ni à droite. L'enfant est sur TikTok le matin. Sur YouTube. L'enfant allume la télé. Il a travaillé quoi dans sa vie pour se relaxer. Il se repose, il a fait quoi? C'est toi qui paye les factures, non? C'est toi qui paye les factures, non? Voilà le premier qui est arrivé. Tu as demandé à l'enfant de payer le loyer. Parfois, quand vos enfants font le truc, tu payes le loyer dans la maison, c'est... La nourriture que tu manges là, tu es parti chercher l'argent pour aller au marché acheter. Parce que vous faites souvent, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui passe dans la tête des parents. Et vous pensez que vous aidez vos enfants. Vous pensez que vous êtes là de vous donner, oh mon enfant, tu sais. Non, 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 non. C'est ce que tu mets dans l'enfant là aujourd'hui que tu vas voir demain. Et vous savez que ça, chaque enfant soit avec sa part de caractère. Tu as les enfants qui sortent, ils n'aiment pas se laver, ils aiment que la saleté. Hop. Et les enfants qui fuient l'eau. Tu as déjà tout fait, l'enfant peut tout faire, mais quand il faut se laver déjà là, quand il faut arranger son lit déjà, il n'est pas dessus ça. Tu parles, tu grondes s'il le faut, tu tapes s'il le faut. Après, tu me prends l'enfant, tu lui rappelles pourquoi tu lui dis de faire ce qu'il faut qu'il fasse. Et l'importance des conséquences des actes à l'enfant. Toujours. Tu peux avoir un enfant qui a 10 de moyenne. Tu le fais asseoir, tu lui dis, regarde, est-ce que tu sais que tu peux mieux t'organiser? D'accord, regarde, tu vois quand tu rentres de l'école à 16h, non? Au lieu de dormir pour te réveiller à 19h, et si tu faisais d'abord tes devoirs, et si tu décides que pendant 2-3 mois, tu ne peux pas jouer, pendant que tu restes maintenant à la maison, tu étudies pour remonter ta moyenne. Faites des suggestions. Tu achètes la lame. Quand je coachais les enfants, ça c'est l'une des premières choses que je faisais avec les enfants. Pendant les vacances, quand on a les cours de vacances, j'apprends l'une des disciplines que je faisais avec l'enfant, l'une des matières qu'on faisait, on étudiait quoi? Les bonnes manières, j'appelais ça les bonnes manières. Donc ça englobait l'autodiscipline, l'hygiène, l'importance de fixer des objectifs. Donc tout ce que je faisais avec les enfants à l'école, c'est pas seulement de venir étudier, non. Si je veux arriver au centre demain, et quand les enfants arrivaient à l'heure, je leur ai dit, si tu arrives à 7h05, avant 7h59, moi je te donne 50 francs. Si tu viens à 8h ou 8h01 et plus, tu me donnes 100 francs. Les premiers jours, tu vois, l'enfant arrive en retard. Il dit, c'est ma mère qui m'a traîné à la maison. Je lui dis, non. Ce n'est pas ta mère qui t'a retenu. Je t'assure, quand un enfant vient dans mon école, il fait une journée, deux journées. À partir du quatrième jour, c'est lui qui, à 6h30, il est au salon, il est apprêté, il est assis. C'est lui qui a dit, maman, dépêche-toi que je ne veux pas arriver en retard. Maman, je ne veux pas arriver en retard. Un enfant de 8 ans. Il y en a même de 5 ans. Que maman, je veux que maman, réveille-toi, tu m'amènes à l'école. Je me rappelle une fois, il y a une jeune fille là qui est arrivée.
Elle avait 15 ans. Sa petite soeur avait 4 ans. Premier jour, elle arrive en retard. Elle me donne 50. Deuxième jour. Et quand ils arrivent en retard, ceux qui arrivent à l'heure, je les félicite. Je les félicite. Un jour, la fille est arrivée à... Elle avait dit que non, demain, je vais arriver à l'heure. Elle a tout fait. Elle est sortie de chez elle à 7h10 comme ça. Arrivée en route, sa petite soeur est tombée dans la boue. Elle est rentrée changer sa petite soeur. Elle arrive à 8h10. Elle a pleuré le jour-là. J'ai dit que mamie, ne paye même pas les 100 francs, laisse. Elle pleure. Elle dit non, moi j'ai fait tout fait. J'ai pris toutes mes dispositions pour arriver à l'heure. Non, non. J'ai dit que c'est bien. Quand tu vois que tu as échoué quelque part et que ça te fait mal, je vous jure que après la fille, elle n'est plus jamais venue en retard. Elle n'est plus jamais venue en retard. Et comment dis-tu que l'heure des Camerounais? Nous, les parents, on est habitués. On a déjà habitué nos enfants à arriver en retard. On a habitué les enfants que peut-être tu promets quelque chose à l'enfant, après tu ne fais pas. Tu oublies. Hein. Et après, quand il ose, avec tout son courage, te demander, maman, tu te rappelles de mon truc que tu m'as promis? Tu commences à lui faire le sissia. Allez, tiens, va-t'en là-bas. Non, explique à l'enfant. Le jour-là, je suis sortie du bureau tôt. Je devais passer à acheter ce que je t'ai promis. Mais je suis arrivée, le magasin était fermé. Ou bien, je suis arrivée en route, mon patron m'a appelé, je suis repartie travailler. Et nos enfants, généralement, n'ont pas de valeur, surtout la discipline, parce que nous-mêmes, on ne se discipline pas sur eux. Combien de fois vous avez promis des choses aux enfants? Je t'assure, je te promets la bastonnade. Même s'il faut que je mette l'alarme sur mon téléphone pour te bastonner, je vais te taper. Oh, l'autre là, que je te lève, tu dis à 3h, tes enfants à 4h, tu dis toujours ici, c'est moi qui commande. Tu vas devenir une image de ce que je veux et ce que Dieu veut. Mon fils me déteste pour ça. Tu fais aussi beaucoup de cadeaux. Oh my God. Et c'est encore mieux quand tu as entendu, tu as dit que tu te lèves tôt. Tu te lèves, il se lève. Là encore, c'est même mieux. Parce que le reflet de ce que vous donnez à vos enfants, la vie d'adulte n'est pas différente de la vie des enfants. C'est pour ça que j'aime beaucoup le système de récompense avec mes enfants. J'ai ma fille, elle a 17 ans. Au départ, quand j'allais la prendre, elle était habituée que si j'ai besoin de quelque chose, je viens, je prends. Ok. Quand j'ai ouvert l'entreprise, je lui ai dit, les week-ends, si tu veux l'argent, viens dans l'entreprise, tu t'assois. Tu finis de travailler, on check ton travail. On sort l'argent, on te donne. Vous savez que moi en Europe, non, à 16 ans déjà, les enfants travaillent. J'ai des femmes que leurs enfants paient leur dîme chez moi. Hier, une dame a envoyé 60 pounds. Elle me dit que c'est la dîme de sa fille. Que sa fille a 16 ans, c'est son premier boulot. Elle a été payée sa dîme. J'ai aussi une autre qui est en Suisse. Son fils a payé sa dîme l'autre jour. C'était peut-être 70 euros, je ne sais même plus trop. Elle dit, oui, il a son job de il a 17, 16 ans. Il vient de payer sa propre première dîme. J'insiste tellement sur la discipline aujourd'hui, tellement. Je devais parler de l'abstinence aussi. Mais je sais que je sens que je dois vraiment appuyer sur la discipline pour que votre tête se rappelle. Je n'ai pas grandi en apprenant la discipline chez quelqu'un. On ne m'a pas appris à être discipliné. Quand je travaillais toujours quand même bien. J'avais tout 16 de moyenne. Et à un certain moment, quand j'ai commencé à connaître les garçons, l'école a un peu fait un jar dans ma tête. C'est comme si j'étais sorti. Et j'ai dit toujours, si j'avais quelqu'un pour me taper, si j'avais quelqu'un qui me fouettait vraiment, je crois qu'il y a des trucs que j'aurais poursuivi un peu plus côté école. Oui. Ça ne rend pas service à l'enfant quand tu... J'ai une de mes cousines, elle a dépassé tout le monde dans la famille. Tout le monde. J'ai dit, donnez-moi l'enfant là. Le jour où ça ne va pas, je cours derrière toi. Je te fouette, je te tape, je trouve n'importe quoi, je te tape avec. Ça ne va pas, tu sors de chez moi, tu pars. Oui. Tu avais les coups de poing, tu vas réussir.
Et c'est qu'on se met parce que je dis ça en direct sur Facebook. Beaucoup d'entre nous, s'il y avait quelqu'un autour de nous quand on était jeune, entre 17 et 22 ans, s'il y avait quelqu'un qui était là pour te gronder, te taper si nécessaire, il y a beaucoup de choses que tu aurais poursuivies. Il y a de certaines compagnies que tu n'aurais pas eues. Donc, j'ai dû apprendre moi-même seul. J'ai appris seul comment, comment se discipliner. Parce que j'ai les premières années de ma vie d'adulte, de 18 ans à 25 ans, j'ai beaucoup souffert parce que je n'avais pas de boulot fixe, je n'avais pas d'argent. Et tu sais qu'en Europe, quand tu n'as pas de qualification, when you don't have a stable, you don't have credentials, your skills are not, you know, perfected. Tu vas chercher, je me rappelle quand je cherchais le boulot à Birmingham, en Angleterre. Tu regardes la charte des boulots là, tu vas peut-être chez dans les intérims. Tu regardes, j'avais commencé technicien de laboratoire, je n'ai pas fini. Tu regardes, tu vois, on dit technicien de laboratoire, salaire 25 000 pounds l'année, 30 000, il y en avait qui partaient jusqu'à 30 000 pounds en fonction des zones. Et puis, tu sais qu'en Europe, quand tu n'as pas le diplôme, tout ce qui te reste, c'est peut-être l'expérience. Et l'expérience n'ira jamais match. Tu ne vas jamais devenir médecin par expérience. Tu ne vas jamais, tu vas jamais devenir avocat par expérience. Donc, il y a certains niveaux de la vie que tu ne pourras pas atteindre parce que tu as fait 10 ans dans la boîte. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans dans un cabinet d'avocat qu'à la fin, on va dire, oh, avocate. Non. Donc, je me rappelle, j'arrive en Angleterre, 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'étais en Angleterre, 23 ans. Chaque fois que je passe, je cherchais le boulot. Et ceux qui étaient clean, les gens qui nettoyaient, le salaire, c'était genre dans les 900, entre 900 et 1100 pounds. Si tu avais trop, tu étais 1100 pounds le mois. Donc, si tu multiplies par 12, tu te retrouves avec 11 000 pounds l'année, 12 000 pounds l'année, maximum 13 000, vraiment, 13 000 là, c'est même exagéré. Parce que c'était les care assistants qui avaient dans les 13 000 l'année. Je regarde comme ça, je dis waouh. Un diplôme que si j'avais poursuivi jusqu'à la fin, donc si j'avais poussé encore un an de plus, j'avais fini mon stage, j'avais pris mon diplôme, j'allais gagner deux fois plus. Donc si j'avais eu quelqu'un à côté de moi qui m'avait un peu giflé, quelqu'un qui m'avait un peu tapé, mais taper l'enfant c'est sucré. Oh my god, je suis désolée si les enfants me regardaient. Corriger un enfant, c'est comme si tu prenais, c'est comme si tu forçais la volonté de l'enfant pour son bien. Et c'est fatigant parce que très souvent, il y a des moments où je me fatigue, je dis mais vraiment, l'enfant c'est. Et malheureusement, tu te retrouves parfois en train de devoir avoir d'exercer de la pression sur l'enfant parce que peut-être tu as donné l'enfant là chez quelqu'un quand il était plus jeune. Et la personne a laissé l'enfant comme ça, laissé aller. Peut-être tu as dû voyager, tu as laissé l'enfant chez ta cousine, chez ta tante, ta soeur. Voilà comment l'enfant s'est retrouvé. L'école a commencé à baisser. Après, à 15 ans, elle commence avec les garçons. Personne ne la gronde. Personne ne dit arrête. Finalement, tu la reprends quand elle a 16 ans et demi, 17 ans. La volonté de l'enfant est déjà faible. C'est pour ça que, même si ça vient à un certain prix, faites l'effort d'avoir vos enfants à côté de vous. Faites l'effort d'avoir vos enfants à côté de vous. Et quand l'enfant est à côté de toi, parfois quand l'enfant est là, tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps de discipliner cet enfant. Voilà encore un autre travail que ça demande. Parce qu'il faut que tu sois vigilant. Il faut que tu sois vigilant que, ok, l'internat ne fait rien. Je sais que vous savez ça. L'internat là ne fout absolument rien sur l'enfant. Mais je dis toujours l'ultime. L'ultime test pour chaque enfant. Ou l'exemple.
Je te gronde, je te tape sur le faux, je te discipline sur le faux. Mais je te rappelle que moi, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais atteindre mon meilleur, mes objectifs. Maintenant, si tu veux, je te conseille, tu ne fais pas. Je te donne les trucs à faire. Dès que je sors de la maison, tu pars, tu fais autre chose. Ça va retomber sur toi demain. Et ça, c'est l'une des choses que mon père a fait qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mon père ne m'a pas tapé dans ma vie. Mon père a même mis la main sur moi parce qu'on n'a pas vécu ensemble. Mais quand j'ai décidé de désobéir et de ne pas finir l'école, mon père m'a rendu un service. C'est aujourd'hui que je comprends parce que je l'ai détesté pendant 10 ans à cause de ça. Mon père m'a dit, comme tu refuses, tu ne verras que mes 5 francs, premièrement. Il a coupé les ponts avec moi pendant presque 5 ans. Et première chose, il m'a dit d'abord, premièrement, je ne vois pas son argent. Deuxièmement, il me dit que, comme c'est, il me demande, il m'a demandé au moins 2 ou 3 fois que c'est ta décision. J'ai dit oui. Tu es sûr que c'est ta décision? J'ai dit oui. Il dit ok. Comme c'est ta décision, tu vas assumer les conséquences de ta décision. Ok? J'ai dit oui, le temps acheter encore. Tu vois, quand quelqu'un va arrêter l'école, il est sûr que c'est pour une bonne cause. Non, je vais aller faire telle chose. Je vais aller faire telle chose. Ouais. 8 mois plus tard, bam, dans le touche, l'appel. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me filer un peu d'argent? J'ai besoin d'argent. Il me tape le mur directement sur le visage. Pam. Tu m'as dit que tu étais conscient de tes choix, non? Ça fait quelques mois, c'est toi qui m'as dit que tu choisissais ça, non? Je dis oui, papa. Il dit, je ne te donne rien. Je raccroche. J'ai raccroché de fond le voulage, je l'ai détesté. J'ai juré dans mon cœur qu'elle n'avait plus jamais l'appeler. J'ai juré. J'ai. 1 an, 2 ans sont passés, 3 ans. Et dans les 3 premières années, ma vie ne faisait que tomber. Ça ne faisait que tomber. C'est quand je suis arrivé au fond. J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai vu que même la personne qui m'avait entraîné dans le fond là n'était plus avec moi. J'ai compris qu'il n'y a que moi qui pouvais me sortir de ce fond. C'est là que j'ai commencé à bosser. C'est là que j'ai commencé à travailler. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, ça m'a pris 10 ans et plus pour voir le résultat de ce que j'avais semé quand j'ai pris la décision de commencer à travailler, me discipliner, m'organiser et avoir des objectifs pour ma vie. Chose que je vous exhorte vraiment à montrer à vos enfants. Voilà 2023. La discipline, c'est quelque chose que ça implique ne vous disciplinez pas pour faire des choses beaucoup en une fois. Prenez des décisions que vous allez mettre en pratique un peu tous les jours. Si je dis que je vais lire un livre par mois ou un livre toutes les 2 semaines, donc genre 2 livres par mois, ne fais pas 5 jours sans lire. En une journée, tu dis je vais faire 5 heures de lecture. Tu es en train de te leurrer. Discipline-toi pour faire 30 minutes de lecture chaque jour. Parce que quand tu commences, tu prends une décision. La décision doit être divisée en petites portions qui sont mâchables, digestibles. Si ça se dit. Ok? Mais je sais que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je veux perdre du poids peut-être. N'attends pas d'aller à la gym une fois par semaine. Tu fais 3 heures de cardio. Non, 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 non. Lève-toi chaque jour 20 minutes. Ton corps va s'habituer. 20 minutes, 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 20 minutes. Tu vas commencer à construire un caractère dans ta tête. Et le corps est tellement malin. Le corps est très malin. Le corps peut te donner des grandes doses d'adrénaline. Tu fais quelque chose en une fois. Tu te lèves, tu fais bouh.
Ouais, je suis partie, j'ai couru, j'ai fait 2 heures de course. Tu fais 3 jours plus tard, tu peux encore faire, tu fais 2 heures. Ton corps t'observe. Après 1 mois, tu perds totalement l'envie d'aller faire, d'aller courir. Tu fais encore 6 mois, tu ne passes pas la ronde, tu ne passes pas la gym. Parce qu'au début, tu es allé trop fort. Et ton corps a fait comme la fronde. Tu as tiré. Et puis après, pap, ça a lâché. Quand ça lâchait, tu oublies que tu avais même un jour couru. Et la plus difficile des disciplines, c'est celle qu'on divise en petits morceaux. C'est l'autre là qui est compliqué. Ça va demander que je me réveille tous les jours un peu plus tôt. Ça va demander que tous les jours, je me mette ici pour enseigner ou bien pour lire ceci ou bien pour... Tu es en train de changer quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est ce que vous devez expliquer à vos enfants. Donc voilà 2023 qui est là. 2023 vient avec ses... Vous avez appris des engagements, je suis sûre. Les engagements vont attendre maintenant l'action. Nathan, je sais qu'il y a un truc qui m'amuse. Souvent, j'ai des gens qui vont te dire, ouais, j'ai pris toutes mes décisions. Ouais, j'ai décidé ça. Tu commences quand? Je commence le 7. Le meilleur moment pour commencer quand tu te disciplines, tu sais quand c'est? C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Today. C'est aujourd'hui. N'attends pas le avant, mais après, pas de avec 5 000 personnes avec toi. Personne ne viendra se joindre à toi pour faire une discipline particulière. Et si tu attends ça, ça va te détruire d'ailleurs. C'est pour ça que tu dis, j'attends que mon mari se discipline avec moi. On va aller courir ensemble. Tu perds ton temps, ma chérie. Et si tu sais que tu as un environnement, genre, tu es dans un couple, dans un foyer. Et la décision que tu viens de prendre va peut-être chambouler la nourriture que tu vas préparer le matin pour les enfants ou pour ton mari. Ajuste-toi. Adapte la discipline à ta vie. Je me rappelle une fois, je faisais j'avais enfin, avant, j'avais je faisais des petits ateliers de discipline de temps, organisation de temps. Donc, il y avait une femme qui avait un enfant de 3 mois. Elle voulait faire ce qu'on faisait. Elle savait qu'avec l'enfant de 3 mois et étant mariée, c'était très compliqué. Du coup, elle pouvait parfois faire ses devoirs à 22 heures. Son mari est rentré, il a mangé, il allait se coucher. 22 heures là, comme ça, elle met l'enfant à côté de son mari. C'est là qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait. Quand on faisait la prière de 6 heures, généralement, elle ne faisait pas. C'est à 6 heures que son mari se réveille, c'est à 6 heures que l'enfant, il faut changer l'enfant, laver l'enfant le matin, gna gna gna. Elle n'était pas là. Mais après, tu peux l'attraper vers 9 heures, quand tout est calme. C'est là qu'elle fait tout ce qu'elle a fait. Bonjour, Pipino du Baroque. Bonjour, Gloria. Henri, bonjour. Judith, bonjour. Tu vas peut-être voir quelqu'un va te dire que je suis dans un centre de détention pour les gens qui ont demandé l'asile. Je ne peux pas faire mon lavage. Puisque je n'ai pas à la douche. À la douche, normalement, je suis dans la chambre avec 5 personnes. Je dors dans. Je ne vais pas me laver comme ça, la douche en plein air. C'est ça que je dis que adaptez le travail que vous voulez faire à votre situation. Que votre situation ne soit pas une excuse. Parce que le corps aime les excuses. Tu sais, je n'ai pas encore l'argent. C'est quand j'aurai l'argent que je vais me laver avec le sel. Prends ton sel qui est à la maison là. Prends ta bouteille. Prends ta petite bouteille. Tu mets le sel transparent dedans, le sel blanc. Tu mets l'eau. Tu pries dessus. Quand tu vas te laver, tu prends ton seau. Tu prends ta bouteille Tanguy d'eau. Ta bouteille d'eau.
Tu as laissé ta fille chez ta soeur. Oh my god, ça m'amuse trop. On ne fait pas le bain de sel quand on a ses règles. J'ai déjà dit ça ici tellement de fois. Tu vois que tu as dû refaire chez l'enfant tout. C'est bien. Bonjour de Catherine de Guadeloupe. Ngounou, bonjour. Martin, bonjour. Et quand tu prends une décision, les circonstances vont vouloir te décourager. Tu commences 4, 5, 6 jours. Le septième jour, c'est comme si le diable est tombé. Problème, problème, problème. Tu te dis, c'est quoi ça? Quand tu décides de te discipliner dans quelque chose, Judith, va regarder mes vidéos. Je ne peux pas te dire comment faire le bain de sel ici, là. Tu as compris? Tu as une nouvelle, tu vas regarder d'autres vidéos sur la page. Sur YouTube, c'est le même nom que j'ai ici. Tu as compris, ma chérie? Bonjour, Florence. Quand tu prends une décision, tu commences à l'appliquer. Ça va backfire sur toi. Tu auras un moment où tu vas croire que... Aïe, aïe, aïe. Rien ne marche, qu'est-ce que c'est? Tu vas t'asseoir au moins toutes les semaines pour te rappeler pourquoi tu voulais faire ça. S'il le faut, tu mets des vidéos que tu vas écouter qui vont encore te remotiver. Parce que là où je suis, vous êtes en train d'écouter, je suis en train de mettre de l'énergie dans votre esprit pour vous lancer. Cette énergie ne peut pas durer un mois. Parfois, quand je faisais le sport là, le matin, je prends le bafle avec mon autre téléphone, je mets d'abord la musique. Après, je prends l'autre téléphone, je mets YouTube. Parfois, avant de lancer le sport, je regarde d'abord une vidéo de motivation. Tu passes sur YouTube, tu écris motivation, c'est tout. Tu vas voir les plein de vidéos qui vont sortir. Voilà, tu ne peux pas rester là-bas tout le temps, tu dois bouger ta vie. Voilà, tu as beaucoup d'orateurs qui passent. Moi, je dis que la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi-même. Regarde-toi dans le miroir chaque jour et parle. Dis-toi, voilà, tu peux réussir. On te motive. Ça te met une dose de motivation. Après ça, dès que tu finis, tu me mets dans le sport ou tu sors, tu pars courir. Ce que je faisais aussi souvent, je partais courir avec les écouteurs. Et il y a David Goggins. Celui qui connaît David Goggins. Je suis sûr qu'ici, j'aurai peut-être deux personnes maximum qui vont le connaître. David Goggins, c'est un dieu de la motivation, du sport surtout. Il était obèse, il était presque obèse durant la moitié de sa vie. Et vers 23, 24 ans, il a décidé, il va entrer dans les Marines américaines. Et il a raté le premier examen. L'année d'après, il a refait l'examen. Il a réussi. Et pour ça, il a dû perdre beaucoup de poids. Beaucoup de poids. Quand il a perdu le poids, il est reparti, il a fait les examens. Il te donne dans son livre, il a un livre, Can't Hurt. Le livre s'appelle Can't Hurt. En français, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais si j'essaie de traduire, ça veut dire ça ne peut pas me faire mal. Et dans le livre, il donne... Le mindset, les pensées qui traversaient sa tête quand il devait se lever peut-être pour aller passer un test. Ou bien quand il courait jusqu'à ce que sa chair. À un moment, il a fait les pompes. Il a fait les. C'est ce truc quand tu arrêtes la barre de fer, tu te soulèves. Tu te soulèves. Tu arrêtes la barre. En fait, tu sautes, tu attrapes une barre qui est dans l'air et tu dois faire des pompes dessus. Et il dit quand il voulait battre son record, un record quelconque que je ne connais plus trop bien, il avait dû s'entraîner pour ça. Et à un moment, il s'est entraîné si bien que sa peau, la peau de ses mains,
à coller sur la barre. Et s'il y a un truc qui me plaît dans le livre de ce monsieur, c'est que il te donne toutes les émotions qu'il traversait. La douleur. Il vous parle de la douleur. Il vous donne les découragements, comment on se moquait de lui. Et c'est un noir en plus. Mais il vous donne aussi la sensation qu'il ressentait quand il gagnait. Donc ça, c'est le genre de livre que je mettais dans mes oreilles quand je sortais pour aller courir. Je dis, mais attends, si ce gars a traversé l'océan à la nage, s'il a couru 24 heures sans s'arrêter, bon, j'exagère, hein. Moi, si je dois courir 30 minutes, c'est rien. Donc, je mets dans mes oreilles, je suis en train de courir. Donc, quand je cours, même s'il y a des gens qui passent autour de moi, je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans votre univers. Donc, vous avez besoin de créer un univers qui va vous motiver. Et ce ne sera pas votre mari, parce que ton mari est confortable avec toi. Ton mari est confortable avec qui tu es. Ton mari, il y a même un truc, hein. Pour vous les femmes qui sont mariées là, dès que tu commences à faire des changements qui sont un peu trop énormes là, ça met ton mari mal à l'aise, hein. Il commence à faire, where? With who? You've been what? Et il dit, Parce qu'il sent que si tu progresses trop, il va devoir monter un peu pour commencer à match. Ça devient un challenge pour lui. Bonjour la reine Pélagie. Ça devient un challenge pour lui. Supposons qu'il t'a connu, une fois que tu as accouché, tu as toujours eu un certain poids. Maintenant, avant d'aller en Turquie faire ta chirurgie en 2023, tu as prévu d'aller en Turquie en juillet faire ta chirurgie. Tu as décidé de perdre déjà du poids. Et qui dit perdre du poids et chirurgie dit que tu seras un peu plus belle que tu n'étais et que des gens vont commencer à te draguer. Vous voyez un peu comment ça, quand tu vas dire ça dans la tête d'un homme, on s'est dit. Supposons que tu vas ouvrir un magasin où tu rejoins le marketing de réseau, par exemple. Supposons que tu décides de partir dans Longreach. Tu arrives là-bas, tu cartonnes. Tu cartonnes. Tu donnes le meilleur de toi. On commence à te donner des promotions. Tu montes en grade. L'argent que tu vends, tu remets dans le business. On te fait monter en diamant et tout ça là. Tu montes de grade là, à Longreach. À un moment, on commence à t'inviter dans les conférences où tu vas partir à Dubaï. Tu vas partir en Turquie. Je t'assure que ton mari là ne sera pas confort. Vous partez là-bas faire quoi? Chérie, on part pour la conférence universelle où c'est annuel avec tous les autres dirigeants des autres pays. Il va commencer à voir que, ah, elle va rencontrer les gens des États-Unis, elle va rencontrer les gens de la France, elle va rencontrer, sans le vouloir, il y aura quelque chose dans la personne qui va vouloir te ralentir. Et la personne va vouloir jouer sur ton mental. C'est pour ça que les gens dans les marketing, nos réseaux font beaucoup de réunions. Parce qu'ils savent que, et si tu observes bien, quand tu es dans leur réunion là, tu crois que vendre leurs produits c'est facile jusqu'à. Tu crois que c'est facile. Hein? Mince. Attends un peu. Mais oui, je rejoins l'entreprise, je donne 300 000. Au bout de 6 mois, je me retrouve à 1 million. Après 6 mois, je me trouve au grade de ceux qui ont. Après, je deviens gold. Après, je deviens stockeur, stockiste. Ils disent quoi? Stockiste. Hein? Oui. Je deviens stockiste. Je mets mes 14 millions de côté. Je donne ça là-bas. Je passe à stockiste. Après. Parce que si tu restes, supposons, il y a un immeuble où on dit que c'est les gens de Longreach qui vont vivre là-bas. On vous prend, on te met dans l'immeuble là. Tu ne fréquentes que les gens de Longreach. En 2 ans. Tu vas accomplir des exploits. Maintenant, ce qui te dérange, il y a des gens ici là qui disent, vous dérangez mon direct et ça m'énerve. Je vais vous bloquer. Voilà, partez. Et
Si tu veux, vous voyez, voilà pourquoi je n'aime pas. Quand je suis en train de dire quelque chose, quelqu'un vient poser une question qui est totalement à l'opposé de ce qu'on est en train de dire. Voilà pourquoi je n'aime pas souvent. Il y a 50 000 vidéos sur ma page. Tu es nouveau et tu écoutes ce que je dis, ça te plaît. Pas regarder mes vidéos. Tu ne veux pas regarder, tu laisses. Et que c'est compliqué. Et si tu es tombé sur moi, tu n'es pas obligé de me suivre. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Il y a des mois, je parlais, j'avais deux personnes qui me regardaient. Donc, je n'aime pas la pression. J'ai fait des vidéos avec deux personnes qui me regardaient. Une personne qui me regardait pendant 1 heure de temps. Alors souvent, vous croyez que je suis les coups derrière vous. Je ne cours pas derrière vous. On a une relation libre. Je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Le jour où je t'énerve, tu te désabonnes, tu quittes ma page. Il n'y a pas de problème. No hard feelings. Mais je ne vous prends pas à charge. Je ne suis pas votre mère. Même en tant que mère, il y a des trucs que je ne supporte pas, mais je ne prends pas mes enfants en charge dessus. Donc, et soyez indépendant dans votre esprit. Soyez indépendant. Soyez indépendant. Ça va beaucoup vous aider. Je disais que ce qui vous dérange beaucoup quand vous prenez des décisions, peut-être que tu es dans ce direct, si tu m'écoutes, tu commences à prendre des décisions. Oui, je vais me discipliner, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand tu commences à décider ces choses, je fais 1 heure avec toi. Tu es à fond. Après, tu fermes, clic. Tes enfants sont réveillés, ton mari est debout. Ton mari déjà avait son. Je m'excuse, les hommes. Tu as le gros ventre, ok? C'est normal. Tu as le gros ventre. Tu n'es pas enceinte, mais tu as un gros ventre. Avec son gros ventre, là, il traîne un peu sur le lit. Il attend que c'est toi qui prépare. Tu viens déposer devant la porte. Il mange sur sa table, il mange. Même seulement pour qu'il se lève pour se laver, c'est des problèmes. Toute l'énergie que tu as pris dans le direct, tu peux encore dépenser ça. Tu mets sur ton mari. À 9h30, tu as fini le direct avec moi à 8h30. 9h30, toute ton énergie du matin est partie. Toute l'énergie, que toute la volonté que tu as pris dans le direct, c'est parti. Il sort, il te laisse à la maison. Tu restes comme ça. Là. Quand tu écoutais, tu disais que tu vas commencer à écrire ton livre. Tu sais que non, tu vas aller sur YouTube, tu vas apprendre comment créer une page. Tu vas apprendre comment poster les produits en ligne. Tu vas apprendre comment faire ceci. Ils ont volé toute cette énergie. Ils ont volé toute cette volonté. Je te dis, il faut que je voie la télé. Tu peux allumer la télé. Tu es sur Canal Pop, Canal Première, Canal Plus, Canal ceci. Tu visionnes, tu changes de chaîne, tu visionnes. La télé prend encore ton énergie. Pendant ce temps, tu prépares. Tu finis de préparer à 13h30, 14h. C'est le coquille. Tu vois comme le coquille est lourd, non? Tu manges un peu. Après, tu te dis, dormons un peu. Dormons vivant. Tu te couches, tu dors. 16h arrive. 17h. Les enfants rentrent de l'école. Ton mari aussi rentre. Voilà comment toute la volonté que tu avais le matin est partie. C'est pour ça que réussir à atteindre certains objectifs, c'est une décision qui est parfois douloureuse. Bonjour, assiste-toi. C'est une décision qui est très souvent, pas seulement parfois, très souvent douloureuse. Et beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à payer le prix. Absolument pas. Parce qu'on est encore trop confortable, on veut plaire aux gens. Parce qu'on a peur de l'opinion des gens. C'est rare de voir quelqu'un qui a accompli quelque chose dans le pays où tu es. Et que sur le chemin vers l'accomplissement là, tout le monde l'apprécie. Waouh, oh, c'est bien ça ma fille. T'as divorcé. Oh my God. Bravo. Oh bravo ma fille. Ah, tu as aménagé dans tel endroit parce que tu as fait du sport, parce que tu as commencé à faire le sport. Waouh. Ceux qui vous découragent généralement, c'est parce qu'ils voient que ce qu'eux n'ont pas pu faire,
vous êtes en train de vouloir faire. Et ils ne veulent pas. Et parfois, certains d'entre vous, vous dites que vous voulez, mais au fond, vous ne voulez pas. Je veux changer. Je veux changer. Je veux. Gna, 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 je ne sais pas ce que tu veux avoir. Mais au fond, tu ne veux pas. Tu parles seulement pour parler. Parce que quand on te donne l'opportunité, on te dit que va alors, fais maintenant. Tu sais, je ne peux pas quand même abandonner. Je ne peux pas quand même laisser ça dans. Tu as 100 personnes qui m'écoutent. Sur les 100 là, j'aurais demi personne. Demi, et même pas une personne. Demi. Donc sur 200 personnes qui vont regarder la vidéo, si j'aurais une personne qui va dire ce qu'elle dit là, c'est vrai. Parce que toute décision de discipline doit suivre avec les actes. Et ces actes doivent être consistants. Si tu fais un jour, tu laisses. Dans un mois, tu fais encore. Oublie. Peut-être tu laisses manger ta nourriture. Tu as compris, donc. Ne te voile pas les yeux. Tu fais de l'hypocrisie avec toi-même. Et ce qui vous tue parfois, c'est parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. L'honnêteté avec soi-même est très importante. Certains, vous êtes dans certains mariages, tu es en couple avec quelqu'un. Tu sais que là où tu es là, la relation là, elle est à dépasser. Chaque matin, tu te tues dans la relation. Tu te lèves, tu regardes la personne, tu sais qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. On n'a même pas l'intention d'être sur la même longueur d'onde. On fait quoi ensemble? Vous êtes seulement là. Changer, ça demande beaucoup de force. Oh. Ça demande des concessions. Tu dois faire des, tu dois abandonner certaines choses. Tu dois faire des concessions. Mais le résultat de la fin est doux. Ouh. Quand tu es dans ta grosse voiture, tu es dans ta maison que tu viens de construire, tu es dans ton, oh là là, it is sweet, oh. C'est sucré. Moi, on ne voit pas quand je te réveillais à 3h, le sommeil te dérangeait. On ne voit pas quand tu partais, tu écoutais les vidéos. Tu cours derrière les clients pour vendre tes produits. Tu cours, tu appelles, on te chasse, on t'insulte. On refuse, que je ne veux pas, laisse-moi avec ça. On ne voit pas ça. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que tout ce que tu crois, tout ce que tu demandes en priant, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras. Beaucoup de rêves qui sont à l'intérieur de toi, il n'y a que toi qui vois. Ta bataille, ce sera de te battre pour que tout le monde voie ça demain. Et c'est comme l'accouchement physique. L'accouchement fait mal. Il y a des douleurs. Quelquefois, c'est une personne qui a accouché 5 enfants. Je ne sais pas comment vous avez fait. 5 fois. Hey! Jesus! 5 enfants. Donc là, tu es forte, mamie. En tout cas. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Demain, je vais parler de l'abstinence sexuelle. Je ne vais pas avoir un autre sujet demain, mais je compte parler d'abstinence demain. J'allais parler de discipline et d'abstinence, mais la discipline était trop longue à expliquer. Parce que l'abstinence, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Et ça prend l'énergie. Le manque de discipline sexuelle, c'est quelque chose qui est
fatale pour tes rêves. C'est fatal pour ton inspiration. C'est fatal pour ta force. C'est fatal pour ta discipline. C'est fatal pour tes projets. Même si tu es marié. C'est pas parce que tu as le, c'est pas parce que tu as le gâteau à la maison qui est pour toi. Tu as un gros gâteau de 2 kilos. C'est pas parce que c'est pour toi que tu vas aller manger tout le gâteau en une fois. Donc, peut-être demain on va parler de ça. Ok? Bonne journée, faites vos lavages, lavez-vous, disciplinez-vous, mangez sain, poursuivez vos objectifs. Bonne journée.